vient pour nous convaincre dans tout ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom Jésus-Christ et nous rendons inactive toute puissance satanique qui n'obéit pas à ta Seigneurie. Dans le nom de Jésus-Christ, ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Qui a dit plus fort Amen avec nous. Et on s'élève, nous voulons honorer cette bonne parole. Sous vos acclamations, j'appelle le docteur prophète Dieudonné Toukala. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et ce privilège qu'il m'a accordé d'être parmi vous. Amen. J'ai béni le Seigneur aussi pour la présence de son serviteur, l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, et pour cette invitation. Dites avec moi les choses révélées. Les choses révélées. Dites avec moi les choses cachées. Les choses cachées. Dites avec moi les choses révélées. Les choses révélées. Mettons-nous tous dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais vous montrer quelque chose qui est très importante. Et c'est ça qu'on appelle les roues de la destinée. Chacun de nous qui est appelé par Dieu, qui est fait par Dieu, qui est créé par Dieu, Dieu l'a donné une destinée. À moi, Dieu a donné une destinée. À toi, Dieu a donné une destinée. Quand nous parlons de la destinée, c'est juste le parcours de la vie d'une personne dès sa naissance jusqu'à sa mort. Tous les événements, tout ce qu'il peut rencontrer, c'est ça sa destinée. Et la destinée d'une personne est supposée de quitter un point pour aller à un autre point. Parce que plus nous dormons, nous nous réveillons, le jour passe. Nous rencontrons de nouvelles choses et nous allons quelque part. Voilà pourquoi la destinée d'une personne a des jambes, a des roues, a des pneus, a des choses qui font que cette destinée se déplace, que cette destinée l'accompagne. Donnez-moi un amen. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en retard par rapport à leur destinée. Vous comprenez? Il y a des gens qui, dans leur destinée, parfois, et Dieu avait supposé qu'en 2013, qu'ils soient déjà ministres quelque part. OK? Mais parfois, jusque-là, ils sont ils sont embauchés quelque part à faire les cliniques. C'est-à-dire le nettoyage. OK? Et ils sont encore loin de devenir ministres. Ils sont en retard. Mais peut-être parce que le problème est que la vitesse de leur destinée est tellement lente à cause du fait que leur destinée ne se déplace pas convenablement comme a voulu le Seigneur. Tu as besoin de ta destinée et Dieu a besoin que tu ailles loin. Je suis venu ce soir pour que la destinée de quelqu'un puisse aller selon la vitesse de l'esprit. Ici, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. La Bible nous parle de choses cachées et la Bible nous parle de choses révélées. Ce sont là les deux jambes de la destinée. La destinée de quelqu'un marche par les choses cachées et par les choses révélées. Dites avec moi, les choses cachées. Les choses révélées. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Que tout ce qui est caché, sont à l'Éternel, pas à nous. Ce qui est révélé, c'est ça qui est à nous. Mais écoutez,
Qu'est-ce que Dieu va faire avec les choses cachées? Ces choses que Dieu a cachées, ce sont ses choses à lui ou nos choses qu'il nous a cachées. Ce sont nos choses. C'est-à-dire, et les choses cachées et les choses révélées, ce sont des choses que Dieu a réservées à notre avantage. Je croyais que tu allais dire amen. Les choses cachées, les choses révélées sont à notre avantage. Sauf que Dieu a pris des choses cachées pour que lui-même les gère et les choses révélées pour que nous puissions gérer. Mais tout cela, c'est à notre avantage. C'est comme un papa qui prend son enfant et qui dit, mon enfant, écoute. Ça, c'est un compte pour toi. Prends ça, c'est la carte en banque. Tu peux prendre l'argent comme tu veux. C'est ton argent. Vérifie la balance et tout, tout, tout. C'est pour toi, d'accord? Et l'enfant ne connaît pas qu'à part ce compte-là, son père a aussi un compte bloqué. Amen? Toujours à l'avantage de l'enfant. Qui n'a pas révélé à l'enfant que j'ai aussi d'autres cartes que toi tu n'as jamais. Dites avec moi les choses cachées. Les choses révélées. Les choses cachées. Les choses révélées. Voilà pourquoi quand nous marchons, oh je vais être court aujourd'hui, mais très précis, et nous allons prier. Quand nous marchons dans notre parcours, dans notre vie, écoutez comment on fait. Parfois, on fait un pas. Chose révélée. Chose révélée. Chose révélée. Oui, quand cette situation arrive, tu dis, oui, Dieu me l'a dit. C'est vrai. Dieu nous a dit que nous allons quitter la salle là où nous étions. Il va nous donner une autre salle. Voilà. Oui, c'est révélé. 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 Oui, Dieu nous a dit que les gens vont quitter. Ah voilà, après, mais ça sera ainsi, des processus. Oui, révélé, révélé, révélé. Mais cependant, tu ne marcheras pas seulement avec les révélés, révélés, révélés. Dans ton parcours, tu vas rencontrer des choses qui n'ont jamais été révélées, mais qui t'arrivent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La douleur de l'homme réside quand il rencontre des choses que Dieu ne lui a jamais révélées. Et souvent quand quelqu'un raconte des choses non révélées, l'homme, et parfois il se sent, comme on dit en anglais, completely squashed. Hein? Donc il se sent bloqué. Il pète le plomb, comme on dit. Il dit, mais c'est fini pour moi. Et parfois, on arrive à dire, oh, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais tu m'as laissé. Non, mais écoutez. Nous avons perdu certaines personnes. Hein? Jusqu'à la dernière minute, Dieu ne disait rien. Et nous, on avait toujours la foi que ces gens-là vivront. Mais ils sont partis. Oh papa, pourquoi tu ne nous as pas révélé? La force de ta destinée ne réside pas dans les choses que Dieu t'a déjà révélées. Mais la force de ta destinée réside dans les choses que Dieu ne t'a jamais révélées. Parce que la Bible dit donc, Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, par rapport aux choses cachées, c'est là où réside la gloire de Dieu. Quand tu arrives devant une situation non révélée, hein? Dis amen. Et que tu arrives à surmonter la situation, Dieu se glorifie maintenant. Il dit, voilà mon fils. Hein? Oh,
Le Seigneur t'a révélé que tu auras un mariage, un très bon mariage, un très bon mari, une très belle femme. Cela s'est fait. Oh, comme le Seigneur a dit. Oh, il est fidèle, c'est Dieu. Il est merveilleux. Oh, le Seigneur est merveilleux. Cela est arrivé. Voilà, quel beau mariage. Et non, la vie a changé. Mais Dieu ne t'avait jamais révélé que tu n'auras pas facilement des enfants. Il ne t'a jamais révélé ça. Seulement tu rencontres des problèmes, disent-ils, un mois, deux mois, trois mois, une année, deux ans, pas de grossesse. Et parfois quand tu te fais examiner, oh là là, et l'homme et la femme, personne n'est malade. Vous êtes normaux. Pas d'enfant. Chose cachée. Dites avec moi, j'aime les choses cachées. Vous savez, les choses cachées parfois dérangent. Les choses cachées parfois dépriment. Les choses cachées parfois désemparent. Les choses cachées, oui, je le sais. Mais il faut que ces choses arrivent pour que le Seigneur nous fasse monter des niveaux. Le Seigneur ne vous a rien révélé. Hein? Le Seigneur vous dit, il vous donnera, je connais une église à Londres, vous savez. J'étais avec les pasteurs, vraiment, on a parlé avec lui, mais il m'a parlé dans son cœur. Il dit, prophète, écoute, tu sais, quand Dieu nous a parlé qu'il va nous donner une très grande salle, nous avons tout fait. Et nous avons acheté la salle, nous l'avons achetée. Non pas dans, je ne sais pas comment ça s'appelle ici en France, mais nous on parle en termes de leasehold ou freehold. Alors si vous achetez en freehold, ok, ça veut dire que vous achetez comme on achète en Afrique là. Hein? Donc vous donnez votre argent, hein? la maison, les bâtiments vous appartiennent totalement, il n'y a pas de problème. Et quand ils ont fini 3 mois après, ils ont réfectionné la salle, ils ont dépensé plus de 100 000, j'ai souligné plus de 100 000 livres sterling. Après 3 mois, c'est l'État qui va nous écrire tous. Quittez cet endroit, conformément à la loi anglaise, on vend les bâtiments, mais on ne vend pas les terrains. La terre appartient à la reine. Quitter les bâtiments parce qu'on veut tout détruire et faire ce qu'on dit en anglais le new development, c'est-à-dire faire un nouveau quartier. Hein? On a vu que c'était comme de la blague. Et non, mais un jour on voit les gens de demolition. Hein? Démolition, ils vont venir avec des chiens, ils vont commencer. Oh Seigneur, où est-ce que tu nous amènes? Choses non révélées. Choses non révélées. Oh, David, dans sa vie, il a marché avec Dieu. Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Mais vous savez que David est arrivé dans des embuscades telles qu'il est fatigué. Parce que Dieu ne lui a pas révélé ces choses. Il ne sait plus quoi faire. Avec toute sa force. Des choses non révélées. Il y a une force dans les choses que Dieu a cachées. Quand je marche avec Dieu et que j'arrive quelque part, je rencontre des choses que Dieu ne m'a jamais dit avant. Mais parce que c'est Dieu qui les a permis, je dois savoir que Dieu veut accomplir sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Si tu lis ces versets de Proverbes 25d, dans la version Parole de vie, en français même, tu verras bien écrit, la gloire de Dieu réside dans les choses que Dieu a cachées pour les hommes. Donc quand nous prions, Seigneur, fais-moi voir ta gloire,
je veux voir ta gloire, manifeste ta gloire dans ma vie. C'est bon. C'est comme si on disait à Dieu, Seigneur, multiplie les choses que tu ne m'as pas révélées. Que les choses non révélées se multiplient en moi. Que le nombre des choses révélées des choses non révélées soit supérieur au nombre des choses révélées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui traverse parfois des situations auxquelles il se dit, mais écoutez, si Dieu est avec moi, pourquoi je vois toutes ces choses? Et Dieu ne m'a jamais dit ça. J'ai rencontré des prophètes. J'ai rencontré. Non, mais écoute. Parfois nous perdons courage. Parce que, non. C'est comme si nous voulons simplement dire dans les soubassements, ah, Dieu m'a déçu. Franchement, il m'a déçu. Je lui ai donné toute ma vie. Je lui ai servi. Mais même ceux-là qui ne les connaissent pas, hein, sont un peu bien. Mais finalement, voilà ce que je rencontre dans la vie. Mais les choses sont terribles. Non, parce que je rencontre des choses non révélées. Les choses non révélées. Dieu va toujours garder des secrets. Pas ses secrets, mais les secrets de ta vie, les secrets de ta destinée. Il va te les garder et va les libérer à temps convenable pour qu'il te fasse monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter ici? Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je suis prêt d'affronter toutes les choses non révélées de ma vie. Je suis prêt d'affronter toutes les choses que tu n'as pas révélées dans ma vie. Je suis prêt d'affronter toutes les choses qui sont cachés devant moi. Voilà pourquoi je vais te donner un secret, un seul secret. Ce que tu dois toujours faire quand tu arrives devant les choses non révélées. Ok? Parce que devant les choses révélées, de prime abord, ça paraît comme un échec. Ça paraît comme une contradiction. Ça paraît comme une déception. Ça paraît comme, non, comme un ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu dois toujours faire? Ça, c'est un conseil. Et c'est là où je vais finir mon message. Avant que nous ne puissions prier, nous allons lire ces versets, nous tous. Proverbes, chapitre 24, verset 10. Quelqu'un va lire ces versets à haute voix. Mais pour Proverbes, chapitre 24, verset 10. Qui lit à haute voix pour nous? Amen. Ah, si tu lâches la prise au jour de ta détresse. Ah, mais ta force n'est que détresse. Hein? Si tu t'affaiblis au jour de ta détresse, j'aime ce verset en anglais dans King James Version. Là, c'est bien écrit. Si tu t'affaiblis pendant que les choses vont mal. D'accord? Si tu t'affaiblis pendant que les choses vont mal, c'est que la force qui est en toi devient aussi faible. Faiblesse. Quand les choses semblent ne pas marcher, quand je me pointe devant une situation auquel je trouve que ça ne va pas, les choses non révélées, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas perdre courage. Dites avec moi le courage. Je ne peux pas perdre courage. Bien aimé, vous savez,
Nous, parfois, nous appelons une sorte de courage. Courage à bas na boudin. Hein, d'accord? Tu connais ce que c'est que ce que les Congolais appellent courage à bas na boudin. Hein? Courage à bas na boudin, c'est un courage qui. Tu n'as plus de raison pour avoir ce courage-là. Hein? Mais tu as le courage. Tu commences à voir. Courage à bas na boudin. Et le Seigneur aime nous voir parfois avec cette sorte de courage à bas na boudin. Dites amen. Mais jusqu'à ce niveau, tu continues à parler. Hein? Mais je continue à parler. Arrosa là, frère. Tika, il va faire. Dis, oh, Nazanga Sony. Nazanga Sony. Mais je parle, non? Parce que je me sens coincé, c'est vrai. Je me sens coincé. Mais j'ai un principe. Je ne lâche pas la prise quand les choses vont mal. Parce que quand les choses non révélées arrivent, ça me contredit. Ça ne me descend pas, mais ça me trouve avec le courage Yaba na boudin. Et le Seigneur regarde. Il dit, il faut que je manifeste ma gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est de. La gloire de Dieu, c'est de. C'est de cacher les choses. La gloire de Dieu se trouve dans les choses cachées. Tu ne m'as pas révélé ça. Mais cela m'arrive. Ça contredit beaucoup de choses, je le sais. Mais je sais que tu restes Dieu. Et je sais que j'ai la victoire. Bien aimé, le Seigneur veut nous voir comme Meshach, Shadrach, Abednego, qui, vous savez, quand on les a menés vers la fournaise au feu, la Bible déclare, on leur a demandé. Écoutez-vous, vous dites que le Seigneur va vous délivrer. Et s'il ne vous délivre pas, vous savez, j'aime bien les réponses. Ils ont dit ceci. Nous savons que le Seigneur va toujours nous délivrer. Mais s'il arrivait qu'il ne nous délivre pas, il restera toujours notre Dieu. S'il arrivait qu'il ne nous délivre pas, néanmoins, il restera toujours notre Dieu. Parce qu'il n'est pas notre Dieu parce qu'il doit nous délivrer de la fournaise. Il est notre Dieu depuis toujours et il le sera. Peu importe les situations qui peuvent être devant moi, je dois savoir que ma vie est soutenue par les choses cachées et par les choses révélées. Et je dois aller loin avec ce Dieu-là. Je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Et c'est ça le thème de mon message. Ne perds pas courage. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.